Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Rise of the Tomb Raider. Allez, on est reparti. Ces ruines sont extraordinaires. Super, on y est. À l'autre ouest. Oh non! Joli coup. Allez, détruisons cette porte. On va lui détruire cette porte. Ça, je suis pas sûr que ce soit très voulu, ça. Anna avait raison à propos de la cité perdue. On dirait que ce mur a été construit à la va-vite. Je sens de l'air qui vient de l'autre côté. Je vais voir si je peux ouvrir un passage. Il y a peut-être une autre sortie ici. Est-ce qu'on a un plan B? Il est pas mal, ça. Cet arc. Munitions, j'en ai pas besoin. Pas de doute, on est bien dans la cité. C'est nous qui essayons. Attention, nous attaque! On tue tout ce qui bouge. Allez, tire dessus, pression! Oh. C'était un moyen rapide de le tuer. Outil de fabrication. Ces armes meurent vos armes dans un feu de camp, d'accord. C'est pas comme le truc qui vendait le type là. Nous disposons désormais d'un lourd équipement dans la grotte principale, et nous projetons d'accéder à une sorte de temple, même si nous devons pour cela enfoncer ces portes antiques. Nous avons découvert et étiqueté des centaines d'artefacts, mais deux équipes de surveillance ont disparu dans les mines. J'ai interrogé moi-même les prisonniers natifs. Ils disent ne rien savoir de ce qui est arrivé à ces gardes. Nous avons eu beau les punir sévèrement, je crains qu'ils ne fomentent une révolte. Et nous connaissons le russe niveau 3. Ça, c'est cool. Alors, on peut tisser la corde pour partir là-bas. Visiblement, c'est tout ce qu'on peut faire ici. Il y avait un truc en contrebas ou au-dessus. On va suivre là. La grue, elle est à moitié. Moitié pétée. Le camion là-bas, il est à moitié dans le vide. Première à essayer de passer cette porte. Ouais. Mais c'est du bois, pourquoi ils ont pas fait brûler le bois? Je sais pas moi. Essayer de casser le bois avec quelque chose.
Comment un camion s'est retrouvé là, quoi? Ça paraît risqué, ça. Il va tomber, à mon avis, ça. Je pense qu'on va le faire revenir, on va pousser le camion. Je pense que ça va servir à ça. Eh ben, il manquait pas grand chose. Et ils ont abandonné pour si peu. Pas de bruit, les gars, quand vous tirez. Voilà. C'est quand même plus rapide qu'avec l'arc. Oh, un monolithe. Je comprends mieux. Si je suis ces directions...
On va continuer. Garde d'épée en or incrusté de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. Oh, la lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat ? Non, il passe niveau 4 en grec. On est trop d'épée GM, franchement. C'est là-bas, à côté de l'objectif. Camarade, il est impératif que vous répondiez à mes missives. Nous avons un besoin urgent de matériel et de renforts. Une révolte est en cours, et les prisonniers contrôlent désormais le site des fouilles et les structures avoisinantes. En réponse, j'ai ordonné l'exécution massive de prisonniers issus de la population native. S'ils ont ne serait-ce qu'un peu de bon sens, ces rebelles déposeront les armes et se rendront pour sauver leurs frères. Ouais, ce qui n'a pas du tout été le cas. Là, il va y avoir des ennemis. Hein. Mais tu tires, ça fait pas de bruit. Les pots de maçon, d'accord. D'accord. Là, on est revenu à la base là. Il n'y avait pas d'échelle là. Mais quoique non, ça ressemble pas au premier endroit où on était. Une autre salle. Il ne fait plus aucun doute que notre réseau de communication a été saboté. Vous n'avez dû recevoir aucun de mes derniers messages. Mais je continuerai à les envoyer car c'est mon devoir. Les natifs nous ont attaqués sur plusieurs fronts, juste après la série d'exécutions de leurs frères censés les mater. Ils sont bien plus nombreux que nous ne l'imaginions. Il est évident qu'ils viennent de derrière la montagne et qu'ils préparent soigneusement leur révolte depuis des années. Nous n'avons plus eau, ni électricité, et l'hiver approche. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie ne vont pas tarder à partir. Nous disposons d'un train de marchandises, et nous allons essayer d'emporter un maximum d'archives et d'artefacts. Pas sûr qu'ils aient pu aller aussi loin.
C'est de là où on venait, ça. Hein. Si, si, c'est la même salle alors. J'ai pas gagné les points de compétences d'ailleurs. Si. Ah, tiens, on a débloqué le niveau 3. Expert au pistolet, expert en fusil. Intuition. Ça, c'est bien, ça. Intuition, c'est pas mal. Hein. Mais ça, c'est pas mal aussi. Hein. Je vais me prendre ça. On va débloquer des trucs niveau 2. Temps de recharge. Et dégâts en plus. On va augmenter le temps de recharge. Temps de charge. On peut faire les deux, théoriquement. On va voir ce que j'ai comme autre amélioration. Capacité de munitions, ça c'est pas urgent. On a ça pour augmenter la cadence de tir. Pour augmenter la vitesse de rechargement. Et le piolet, on a quoi? La force de frappe. Derrière hein. Des ennemis en éclats. Quoi? Bah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, du coup. Je ferai bien du coup les dégâts en plus sur l'arc à poulie. Voilà. Ensuite ici ça m'intéresse pas trop. Ouais, vitesse de rechargement, ouais, ça serait utile ça. Et il y a le silencieux sur le fusil en plus. Trop doré. Ouais, ça serait plus utile. Pas mal parce qu'il faut vraiment faire des choix en fait. Hein. C'est soit le fusil, soit la mitrailleuse. On va reprendre le fusil. Au pire des cas, de près, on utilisera le pistolet. Le fusil, je pense qu'il pourrait être pas mal, mais. Il y a un trou dans le fusil, non? Je sais pas d'où il sort ce fusil en fait. Sur 4 pièces de mitraillette. Il y avait un truc là. Ouais, ils ont mis le coffre pour nous attirer de l'autre côté. Bande de saligots. Et là, il y avait un document. D'accord. Bah je l'ai raté, bah c'est le seul qui me manque en plus. Bon, étant donné qu'on peut revenir là, on va profiter. J'ai raté un truc là. Ah ouais.
Ah bah bravo. À celui qui trouvera ce message, je serai bientôt mort, et toute trace de ce lieu disparaîtra avec moi. Notre fuite était vouée à l'échec depuis le début. Nous sommes montés dans le train, et nous nous sommes préparés au long voyage. Mais nous avons découvert qu'après quelques kilomètres, les rails que nous avions construits sur tant de cadavres s'arrêtaient purement et simplement. Depuis des mois, les natifs ont démonté ces rails, isolant cet endroit en prévision de leur attaque. Et, tout comme leurs précieuses ruines, je serai bientôt enseveli sous la neige, et oublié de tous. Ah, donc on peut pas passer au-dessus du niveau 3, en connaissance. On pourra déchiffrer du coup le monolithe, le monolithe. Donc le monolithe qu'il y avait au milieu du complexe soviétique. Bon, du coup on a tout ici. On a tout, c'est à 100% terminé, impeccable. Comment ça peut tenir quoi? Je dois faire ça d'abord. Bien, ça devrait marcher. Cette statue doit représenter le prophète immortel. Et ici, cela représente l'exode de tout son peuple depuis les déserts de la Syrie. Ils se sont installés dans une vallée isolée et ont bâti une grande et belle cité. Qui t'ai-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple, le prophète a levé toute une armée de guerriers. Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ?
Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, mais quoi? Et ces guerriers forgèrent pour lui un atlas, pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. Un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. Intéressant. Il n'est pas dans la statue. Ouais, intéressant. C'est cassé, ça a pas été plus abîmé que ça, les trucs? Les dessins? Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'ils avaient planqué quelque chose derrière. C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. On dirait une espèce de temple, un truc comme ça. Malgré la dégradation, le talent artistique était lui aussi. C'était juste. Une fois c'était juste, il faut avoir du souffle, les gens. Oh! C'est ouvert par ici. Oula, on a raté la marche. Ici, ouais, il va y avoir des sources de chaleur là. Il y a des munitions qui sont positionnées ici. C'est qu'ils sont déjà passés par là. On n'est pas les premiers à avoir découvert ça. Ouf. Oh, où est-ce qu'il est son village, au gars là? Entendu comme un truc de corde là, un qui glissait sur une corde. En tout cas, c'est très joli. Plus. Du calme. Du calme.
Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non! Non, 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 non! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi! Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia! Arrête! Père! Je croyais t'avoir perdu. Content de vous voir ici. N'en veuillez pas à Sophia, elle est... prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines... La cité perdue du prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant. Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va. Conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux. Il faut vite alerter la vallée. Waouh. Époustouflant. Sophia, rassemble nos combattants et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître, père. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. D'abord, on va fouiller, et puis après, on verra si on pourra se rendre utile. On sait pas d'où il est sorti, Jacob, mais... Fusil déverrouillé. Le fusil à verrou? On l'a déverrouillé, le fusil à verrou. Toi, tu vois où est la vieille radio? Va réparer le générateur. Il faut qu'on puisse transmettre le message aux autres colonies, qu'elles sachent ce qui nous menace. Je vais faire de mon mieux. Vous deux. Oh, mais il est pote, lui. Il nous faut des yeux braqués sur la vallée. Mais c'est son jeu. Placez-vous sur les falaises et faites le guet. Prévenez-moi à l'instant où vous verrez leurs hélicoptères. Ok, c'est compris. Si on voit quoi que ce soit, on fera sonner la corne. Dieu vous protège. Ça, c'est à moi, ça. Je dois les empêcher d'approcher la tour de l'Acropole. Ce vase devait être magnifique avant. Et quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. Quel qu'en soit le prix, on va conduire les familles dans les catacombes. Et il faut qu'on réussisse à contenir les combats ici, de ce côté de la vallée. Vous avez parlé de catacombes? Ça m'intéresse. Sophia et ses guerriers ont déjà combattu les envahisseurs. Selon elle, ils sont bien équipés. Oui, mais nous sommes... Salutations. Comment vous avez trouvé cet endroit? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je vais chercher. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque... S'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Wesh, on n'a pas l'humain. Ouais, truc de chasseur, il y avait quoi? Pilleur, ouais, sniper, expert en arc. Triple tir, ça pourrait être pas mal, triple tir. Ah,
Incroyable. Ouais. Je vais prendre le triple tir. On va regarder qu'est-ce qu'on a débloqué comme arme. C'est une mitraillette, je crois qu'on a débloqué. Oui. La petite mitraillette. Pas mal. Pas mal, pas mal. Après, c'est un fusil à verrou, mais il n'y avait que ça comme arme. Il y a l'autre qui vendait une mitraillette aussi, là. Dans son magasin, mais c'est un fusil d'assaut, je sais plus. Viseur pour pistolet. Ah oui, on l'a dans les accessoires. Ah, c'est encore pas mal de trucs à débloquer quand même. Alors, combien il y a de trucs ici? Ici, c'est une grosse région, alors. Ah oui, c'est une belle région. Ouais. Ici, on l'a fait à 100%. Complexe soviétique, 61%. Ici, 100%. 89%. On oublie ici. Ah oui, on avait ça, qu'on pouvait pas faire. Et ça, c'était la Syrie. Oui, il y a encore pas mal de place hein, dans la carte, là. Faire des trucs, c'est cool. C'est cool, on n'est pas au bout encore. On peut chasser des animaux par ici. Il y a des sangliers. Objectif actuel. Il y a des ours. Ok. Donc peut-être soit il faut le fusil à pompe ou alors il faut truc explosif. Ouais. Et c'est ici qu'ils vivent. Ça y est, ça parle d'une chose qui est cachée. Un truc aussi grand pour parler d'une petite cache avec des sous dedans. C'est un peu abusé quand même. Discuter. Jacob dit qu'on peut vous faire confiance. Je vous fais confiance. Jacob avait dit qu'il viendrait. On ne s'est jamais complètement remis après les soviétiques. Et maintenant, ça. Ah. Si vous voulez vous rendre utile, vous devriez aller au bas village. Forge le plus possible de têtes de flèches avant qu'il n'arrive. Je préfère encore manquer de clous. Il me faut plus de bois pour le feu. Ils ont presque tout utilisé pour réparer les tours de garde. Il va falloir qu'on se débrouille avec ce qui reste. Ils ont besoin de têtes de flèche pour se battre. Il faut me donner plus de bois. J'en ai déjà coupé pas mal. Et puis, je ne sais pas combien de temps il te reste pour forger. Les têtes pointues, c'est plus rapide à faire que les têtes larges. On devrait se concentrer là-dessus. Bonjour. Bonjour. On va piquer des ressources, tu sais, aux pauvres gens. Ils ont sûrement plus besoin que nous. Encore un hiver difficile pour mon peuple. Il y a plus de décès que de naissances désormais. Et saison après saison, les plus jeunes s'impatientent. Je les vois lever la tête quand les rares avions passent dans le ciel loin au-dessus de nous. Pensifs, rêveurs, curieux.
Je sais qu'ils sont toujours dévoués à la cause, mais je sens qu'un changement se prépare. Bientôt, notre mode de vie disparaîtra. Les derniers envahisseurs ne sont plus qu'un lointain souvenir, mais d'autres trouveront notre vallée. Et nous sommes liés au destin de ce lieu à jamais. Pour le meilleur, et pour le pire. Visiblement, surtout pour le pire. Je peux shooter les poules, ouais, je suis censé pouvoir shooter les poules. Bien le bonjour. Salut. La guerre approche, on doit se préparer. Il y a un puits, mais je sais pas si... Un petit coffre caché. Le mec, il vient, qui pique tout, tu sais. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah ouais, composant du fusil à verrou. Pas comme ça. Mais où est-ce que... Bien le bonjour. Désolé, mais je ne peux pas vous aider pour l'instant. Il faut que je répare ce générateur pour qu'on puisse envoyer un message aux autres colonies. Je vais voir si je peux me rendre utile ailleurs. Une prochaine fois. Bonjour. On sait ce qu'on a à faire. On s'y est préparé. Si reculé. Et pourtant si beau. Oui, qu'est-ce que tu fais là? C'était un truc se poser là? Ok. Attends, il y a une mission à proximité. D'accord, ouais, à proximité un peu lointaine. Vous là-bas, on a besoin d'aide si vous êtes là pour ça. Ah. Ouais, je vois que tu as un problème, effectivement. Je vois que t'as un souci, ouais. Et tu es visiblement coincé dans un trou. Les soviétiques ont tout abandonné quand on les a chassés. Il s'agit principalement de déchets, mais on peut encore tomber sur de drôles de trésors. On manque. Je suis venu aider. Qu'est-ce que je peux faire ? On essaie de fortifier le plus de tours possible. La plupart ont été endommagées par les inondations de l'an dernier. Les réparations avancent bien. Mais j'ai besoin de matériel supplémentaire dans la vallée. Si on parvient à réparer ces tours, on aura l'avantage sur les envahisseurs. Et ça nous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs des ruines. Vous voulez bien nous aider ? Bien entendu. Tenu usé par la guerre. Je vais voir ce que je peux trouver. Merci. Ramenez-les-moi quand vous les aurez trouvés. Ah mais c'est tout ce qu'il faut. Ah non, il faut des pots de serre encore. Il me dit que je peux en chasser là. Je suis sûr de pouvoir en chasser là aussi. Il y a des lapins. Ils sont gros ceux-là, non ? Jeunes gens, vous avez rechigné à apprendre vos lettres, proclamant qu'elles ne servaient à rien pour chasser. Eh bien voici votre première leçon. Tout est lié et j'ai toujours raison. Pour ceux d'entre vous qui ont été assez fous pour persévérer et qui peuvent lire ceci, voici votre premier devoir. Traquer, chasser et me ramener la fourrure d'un des petits animaux de la vallée. Vous trouverez des lièvres partout, de nuit comme de jour. Les petits brins dans notre vallée et les lièvres des neiges sur les hauteurs. Les écureuils restent dans les arbres et se réfugient dans leur terrier quand il pleut. Si vous préférez traquer des rats, regardez dans les ruines ou tout autre endroit où la mort rôde encore. Mais si vous pouvez, évitez de me ramener un rat. Oh, récupérer tous les lapins. D'accord, il y a des petits trucs à
récupérer comme ça. Il y a un chemin par là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, ça me fait penser à un jeu ça. Il est où leur enclos ? La poule elle est docile hein. Où est-ce que je dois balancer ça? On peut la... Oui, on peut la balancer. Où ça se met là? Impeccable. On va essayer de les ramener. Bien le bonjour. Voilà. Je l'ai coincé. Pas des poules par là? Si. Boum. Il en reste encore deux. Je vais manquer de gaz pour le chalumeau. J'ai trouvé. La vie qui balance les boules comme ça. C'est... Il y a encore. Il y a encore. Il y a un spawn à poule ici. Vous en voulez 15, je vous en ramène 15. Bon. Voilà. Oh, mais. Oui, c'est vrai qu'il faut des explosifs pour ça. Voilà, impeccable. Sympa, il y a des défis vraiment cachés. Il y a 8 cibles comme ça. Voilà, il y a des trucs là. Là, je suis arrivé dans la vallée. Sans faire exprès. Je suis pas mort en fait. J'ai fait une chute de là-haut et je suis pas mort. On va essayer de chasser les bestiaux. Une grotte. Voici l'exercice du jour. Ramenez-moi une créature à plumes. La plupart des oiseaux de notre vallée volent le jour et se réfugient dans leur nid la nuit. Vous avez dû voir des mouettes et d'autres oiseaux plus loin. Ces oiseaux communs suffiront pour la leçon d'aujourd'hui, mais vous pouvez faire mieux. Pour ceux plus ambitieux qui souhaiteraient m'impressionner, dirigez-vous sur les hauteurs entre le coucher et le lever du soleil. Une buse serait très bien vue. Et avant que vous ne posiez la question, les poules de notre village sont arrivées ici avec nos ancêtres. La leçon ne sera pas validée si vous me ramenez un oiseau apprivoisé du jardin de vos parents. Il faut qu'il y ait des petits malins.
j'ai de tout, moi. Vous avez fait d'énormes progrès, mes élèves. Je commence presque à croire que certains d'entre vous seront un jour de bons chasseurs. Mais il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. Aujourd'hui, tant qu'il fera jour, nous chasserons le cerf. Sa viande, sa peau, ses bois et même ses os nous font vivre. Respectez le cerf, car c'est une créature de Dieu au même titre que nous. Vous le trouverez près de sa litière, là où l'herbe est aplatie, ou près des buissons de baies dont il se nourrit. Frappez sans hésiter, pour qu'il n'éprouve ni peur, ni douleur. Et n'oubliez pas, je vais vous évaluer. Alors ceux qui m'apporteront un cerf plutôt qu'une biche seront mieux notés. Ok. Les sangliers là-bas, tiens. On reste à l'affût. Une biche. Raté. Raté, mais c'est pas possible ça. Salut Hugo. Que je l'ai laissé là, hein. Je me souviens plus. Je crois que je l'ai eu par là. Ouais, voilà. Allez, à proximité. Ce que je redoutais est arrivé. Nous ne pouvons plus le nier. L'hélicoptère que nous avons vu hier au coucher du soleil représente une nouvelle incursion dans nos terres. Nous avons grandi dans l'ombre de la lutte de nos parents. Et maintenant, il semble que nous allons vivre la nôtre. Mais le devoir sacré doit être rempli. Nous devons protéger la source de la grâce de Dieu sur Terre. Vous, là-bas, vous pouvez peut-être nous aider avec ces machines. Oh ! D'où t'as sorti ça, toi ? T'en as plusieurs, en plus. Cache de monnaie, bah, du coup de toute façon on a tout ce qu'il faut pour la mission là-haut. Ça c'est bon, on va faire sa mission. Il a pris deux bastos dans la gueule. Hein. Je le lâche pas, je le veux. Thank you.
Esquive. Vous n'avez rien vu, vous non plus. Moi non plus. Ouf. Non, il était pas évident celui-là. C'est un animal spécial. Il y avait une cache, je crois, par là, non? Voilà, ma tête était juste là. Là ça descend, là il y a une espèce de nid. Ouais bon on va aller jusqu'à la dame là. On ne peut pas laisser ces choses voler dans la vallée sans rien faire. Mais d'abord, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Rise of the Tomb Raider. Merci à vous. Ciao.